Mais que serait ce monde sans notre famille jaune préférée? Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs génériques des Simpsons. Crystal Blue Persuasion. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les gags du canapé que l'on trouve dans le générique des Simpsons afin de déterminer quelle façon de s'asseoir devant leur télévision est la plus drôle. Si l'intelligence du gag passe en premier, nous avons également attribué quelques points de nostalgie au moment culte. Get up, Flanders! Numéro 10, les 500 épisodes. Si on oublie les soap-opéras, combien de séries ont atteint l'étape des 500 épisodes? Très peu. Les Simpsons ont aujourd'hui largement dépassé ce point crucial, mais en 2012, il s'agissait d'un accomplissement énorme. Pour fêter ça, les spectateurs ont eu droit à un montage chronologique, image par image, de tous les gags de canapé jusqu'à ce moment. À la vitesse de la lumière, on aperçoit le gag du premier épisode jusqu'au 499e. Un joli voyage au cœur des souvenirs qui nous rappelle toutes ces blagues du générique qu'on a pu voir au fil des années. Numéro 9, Springfield chante TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go. Au cours de leur existence, les Simpsons ont développé l'un des plus gros groupes de personnages de la télévision. Et on parie que même les spectateurs occasionnels reconnaîtraient plus de la moitié des résidents de Springfield. Grâce à cette chanson populaire de Kesha, nous avons l'opportunité de tous les revoir alors que la ville se transforme en clip. Don't stop. Le gag utilise une grande variété de personnages, qu'il s'agisse de citoyens récurrents ou moins connus de notre ville animée favorite. On débute avec Lisa et on retrouve les personnages dans divers endroits célèbres de Springfield pendant qu'ils font du playback sur TikTok. En prenant quelques libertés visuelles, les Simpsons ajoutent un côté hilarant aux paroles et donnent à la musique un esprit typiquement springfieldien. Numéro 8, un générique signé Banksy. Ces dernières années, l'équipe des Simpsons a partagé le contrôle du gag de canapé, invitant des artistes extérieurs à ajouter leur vision à la série. Il y a plusieurs interprétations d'artistes dans cette liste, et la première vient du mystérieux artiste de rue Banksy. Décrivant le côté entrepreneurial des Simpsons, Banksy emmène les spectateurs dans une vision sombre de la fabrication de produits de la série, montrant des travailleurs sous-payés, souffrant des conditions toxiques du merchandising. Les os des travailleurs morts gisent dans l'usine, des animaux sont tués pour fourrer les poupées Bart, des dauphins morts lèchent des cols et des licornes percent des DVD. Une vision tragique à l'outrance qui est en même temps très drôle. Numéro 7, Rick et Morty. Les Simpsons ont ouvert la voie aux nombreuses séries animées destinées aux adultes. L'une d'entre elles se nomme Rick et Morty. Cette émission a fait l'objet d'un véritable culte et les fans étaient ravis de voir le scientifique fou et son petit-fils dans leur propre générique des Simpsons. You know how many characters there are in the Simpsons, Morty? There's like a billion characters. They did an episode where George Bush was their neighbor. Après s'être écrasé dans la maison des Simpsons en tuant notre famille jaune préférée, Rick envoie Morty dans une mission à travers l'espace afin de les cloner. Pendant ce temps, Rick parcourt la maison en buvant des bières, volant ce qui lui plaît et congelant au passage un Ned Flanders curieux. Looks like you got a spaceship in your... Who are you? On y trouve également un méta-humour hilarant qui rend hommage en se moquant gentiment de l'impact culturel des Simpsons. Hey Morty, little tip. Don't clean DNA vials with your spit. Let's go. I'm driving this time. No more guest animators, man. Numéro 6, Le Hobbit. Les Simpsons adorent se moquer de l'industrie du divertissement. On n'est donc pas surpris de voir des gags du générique parodier brillamment les films populaires. Leur version d'Avatar était à la fois belle et absurde. On a quand même préféré le voyage de la famille à travers un Springfield maquillé en terre du milieu. Les citoyens de la ville assurent les rôles des personnages de Tolkien. So lonely. Homer est un nain, Marge est Gandalf et les enfants sont les hobbits. En chemin, ils rencontrent Mo en Gollum, Lenny Carly Barney en troll,
Monsieur Burns en dragon et Dolph, Kearney et Jimbo en fantôme. De la carte de la Terre du Milieu au comportement égoïste d'Homer à la fin, ce gag a émerveillé de bout en bout les spectateurs grâce à sa créativité. What about us, man? Get your own coach. Numéro 5, le cirque. Un classique des premières saisons, ce générique est l'un des plus utilisés de la série. On y voit les Simpsons rejoindre le canapé pour entamer un French cancan dans un parfait unisson. La famille est rapidement rejointe par des danseurs et le salon est remplacé par un énorme cirque. Avec une version plus festive de la musique des Simpsons, la famille danse devant des magiciens, des éléphants, des cracheurs de feu, des trapézistes, des jongleurs sur des monocycles et les petits lutins du Père Noël qui sautent dans des cercles de feu. Ce spectacle flamboyant est réalisé avec aisance parce qu'après tout, les Simpsons peuvent tout faire. Numéro 4, les Simpsons version Scarface. L'animateur invité Steve Cutts offre un côté rétro au gag du canapé conventionnel en remontant dans les années 80 grâce à l'animation et aux prises de vue réelles. Homer est Joe Kaczynski alias Kaz, un justicier doté d'une mâchoire carrée qui ferait baver Homer. Son canapé favori fait office de sidekick armé jusqu'aux dents. Sur la musique de Scarface, Push It To The Limit, les spectateurs ont droit à un montage des deux complices qui protègent la ville du terrible Ned Flanders. Au final, on s'aperçoit que le clip est une rediffusion de la série fictionnelle L.A. Z Rider. Damn rerun. Numéro 3, Powers of 10. Est-ce qu'on serait vraiment surpris d'apprendre que les créateurs des Simpsons connaissent les secrets de l'univers ? Ils nous ont peut-être donné la réponse à travers ce gag mémorable inspiré par le court documentaire nommé Power of 10, ainsi que le film 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Après un plan sur la famille Simpson assise, on recule rapidement pour aller vers les galaxies très très lointaines et découvrir que nous ne sommes qu'une partie des atomes qui forment les cellules de la peau qui recouvrent la tête d'Homer avant de revenir dans le salon. La réaction émerveillée d'Homer est la cerise sur le gâteau. Numéro 2, Guillermo del Toro. Les épisodes Horror Show programmés pour célébrer Halloween sont l'une des traditions les plus adulées de la série. Comme vous pouvez l'imaginer, chaque année, le générique revêt une esthétique différente et terrifiante, mais aucun d'entre eux ne peut surpasser le maître en personne, Guillermo del Toro, qui apparaît dans l'épisode Horror Show numéro 24. Au sein d'un Springfield infesté de zombies et de monstres, le réalisateur implante plus de références à la pop culture qu'on ne peut en compter. Il rend hommage aux classiques de l'horreur tels que Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock et Shining de Stephen King. On y voit également des monstres de ses propres films, comme Monsieur Burns transformé de façon appropriée en l'homme pâle du labyrinthe de Pan. Autant dire qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de 3 minutes. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Oh, cheap PVC smell. Oh no, I'm an action figure, and I hate action. Numéro 1, l'évolution d'Homer. Vous êtes déjà demandé comment Homer était devenu, eh bien, Homer ? Ce gag vous répond en suivant sa progression de la nuit des temps au présent. Organisme cellulaire, il devient un poisson qui échappe aux griffes de Monsieur Burns en pieuvre avant d'arriver sur Terre et de se transformer en reptile. Puis, devenu rongeur, il échappe à un terrifiant tyrannosaure avec les traits de Bart, survit à l'impact d'un astéroïde et devient un singe, puis un grand singe et enfin un humain. Il traverse alors rapidement l'histoire et termine dans la peau du Homer que l'on connaît, réuni avec sa famille sur le canapé. Un gag unique et hilarant et même presque pédagogique. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.